Et bien le bonjour à tous, et bien le bonjour à toutes, et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes qui viennent s'abonner à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Bonjour tout le monde, bonne journée et bonne vidéo. Merci à toi d'être passé. De rien. Donc aujourd'hui, nous sommes repartis, peut-être pour la dernière fois, sur le jeu My Garage. Parce que je vois que la vidéo ne vous intéresse pas trop. Donc, on va au moins finir la vidéo en beauté en remontant le moteur pour notre BM de course. Et quand vous voyez, toutes les pièces sont chromées, sont tous ici à part les câbles, bien évidemment que je peux pas. Et c'est les pièces, sont toutes des pièces haute performance. Donc, à mon avis, sur la route, ça va les beautés, c'est bien. Donc, on va commencer par la ville broquin, bien évidemment. Et on va monter tout ça tranquillement, un par un. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien dans la joie et la bonne humeur, que la santé va et que tout va. Et le principal, ça va. Voilà. Donc le moteur, il est prêt, ça va, c'est vrai, ça là. On va prendre les pistons. Toujours pareil, les pistons haute performance aussi, à pas oublier. On change pas l'équipe qui gagne, bien évidemment. On va faire un bon gros moteur pour cette voiture là. On va faire une voiture de course. On fait une voiture de course, on la fait pas du tout. Et là, à mon avis, je pense que c'est comme ça dans la vie réelle. Bonjour à station service. Ah oui. Ah Z. Je vais mettre un triple carburateur dans le ventre. Oui, oui. Donc, je pense que ça va faire mal, je vous le dis. Voilà. Moi, depuis, ben, j'ai rien avancé. Hein. Pas avancé du tout sur la partie, comme vous pouvez voir par vous-même. Rien fait. À part, j'ai juste remis le réservoir à sa place. J'ai juste remis ça, c'est tout. Je vais pas faire ça en vidéo. Voir un bus monter un réservoir. Vous comprenez, quoi. Là, c'est vraiment le gros du gros moteur que je suis en train de sortir, là, le gros moulin. En train de monter, je veux dire. Donc, ça va péter les bulles. Alors, non, tu veux pas y aller. Donc, voilà. Tu vois que tu viens quand même, si tu veux. On veut en pneu. Ah. Bon, allez. Non, non, non. Bon. Le carter, alors, peut-être avant. Ah, oui, non, non, non. C'est foutu. Ça, ouais. C'est la grosse au-dessus, je crois. Et pour une fois, je parle pas de ma femme. Voilà. Et ça, en deuxième partie. En bas. Voilà. Maintenant, la chaîne de distribution. Il n'y a rien de meilleur pour les voitures qu'une chaîne de distribution. Ça, vous n'avez pas à changer de pour distribution. D'autres voitures. Voilà. Mais il commence à prendre la gueule notre bestiaux. Hein. Oui. Il y a certaines voitures qui ont deux courroies de distribution. Oui. Ouais, ça, c'est la voiture japonaise. On en a eu une dans la vie réelle. Oui. Et on a eu une belle surprise. On l'avait ramené à un garage pour passe la croix distribution. Un garage réputé dont on dira pas le nom, évidemment. Il reste anonyme, bien sûr, c'est ce qui est normal. Les personnes, les garagistes disent, sur ce modèle-là, il n'y a qu'une seule croix distribution. Ça vous fera tant, et voilà. Ouais. Et le jour même, on reçoit un appel. Excusez-moi, monsieur et madame, on a un petit problème avec votre voiture. Oui. Ah, on ne se rappelle plus qu'on ne savait pas, mais sur votre voiture, il n'y a pas une seule courroie, mais il y en a deux. Ah bon? Ah, mais vous inquiétez pas, vous aurez rien à payer, c'est notre faute, tout ça. Ben, il vaut mieux. Il vaut mieux. Et rien à payer en plus. Hein? Rien à payer en plus. Oui, ben, c'est ce que j'ai dit.
Eh bien, on avait un dos à payer. Oh! Oui. Heureusement, Oui. on était tranquille ce jour-là, on n'avait rien à payer. Hein. Et moi, on était tranquille. Et tant mieux d'ailleurs. J'ai pas le prix du truc. Ah. Il manque quelque chose. Ah. Savoir. Ça, tu vas aller faire un tour là aussi, j'y suis. La pompe. La pompe. Watino, pompe et là. Et donc, pour en finir, la voiture qu'on avait, c'est une Honda Civic. Oui, voilà. Moteur VTEC. Très belle voiture. Moteur confortable, tout ça. Moteur VTEC. Un navet sous le capot, la garce. Et pour en avoir un navet. Ouais, surtout une voiture avec moteur VTEC. Franchement, je vous dis que ça envoie du lourd. Surtout dans les virages, vous fendez la gueule. Parce qu'elle partait vite dans les virages, celle-là. C'est dommage qu'il n'y en a pas en mode dans ce jeu. Honda Civic. Pourtant, c'est les bonnes bêtes. C'est étonnant que personne n'a pensé à faire un mode sur cette voiture-là. Honda Civic couleur aubergine. Ouais, ça. On l'a revendu parce que la personne n'en a pas pris soin du tout de la voiture. En état qu'elle était, c'était vraiment malheureux. Vraiment très malheureux à voir parce que là, quand on l'avait récupéré pour info, j'aurais bien cru que j'allais voir le mec pour le démonter la ganache. Le mec, il avait mis un. Je me rappelle bien, c'était un filtre à huile de. Je veux dire un exemple de Peugeot sur une Honda. Donc, voilà la différence de la taille du filtre. Merci. Ouais, t'as bien J'avais mis 2 jours pour essayer d'avoir le filtre. Je veux que le pas de vis n'est pas le même. Le mec a forcé pour mettre le filtre à huile. Et moi, j'ai forcé 2 jours pour essayer de le desserrer. Le filetage est plus gros que le. Eh ben, il est plus gros, tout simplement. Attendez. On va mettre 2 secondes. Ouais. Le filetage est beaucoup plus gros que le filtre à huile. Donc, super, quoi. La surprise. Une belle surprise ce jour-là. Belle même. Ah, très magnifique. T'es content. Ah, génial. Vous voulez prendre la voiture? Bon, d'accord. Ok. Génial. Le bloc nous reste dans les mains. Pourquoi pas? Il vient chercher quoi, moi, ici? Ah, oui. Oui, c'est galère. La poignée dumper. Je pense qu'on peut pas aller chromer, c'est parce que là. On va aller voir ça. On va aller se coucher. Mais ah! La porte pas assez grosse, non? Alors là-dedans. Alors. Ouais, center. Ah oui, désolé. Voilà, 7 h. Encore un petit peu. 11 h. Ouais. C'est jour. Et on y voit bien. Là, c'est un petit projet que je vais faire par la suite. Off, voir si ça va. C'est faire un atelier mobile. Play mobile et voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Faire un atelier mobile, tout ça, un petit peu de course. Intéressant, ça. A déjà des problèmes de suspension arrière, pas bien grave. On va la prendre celle-là, 10 000. Bon, le pick-up sera assez long. Ouais, ça serait vite d'aller à la casse. Et là, avec une Mercedes normale, c'est pas celle que je voulais. Je cherche une Mercedes version familiale. C'est un petit dommage à une personne que moi et ma femme, on connaît.
Oui, c'est vrai. Donc, je voulais la faire vraiment identique avec la couleur, tout ça. La voiture de mon beau-père. Mais bon, Mon celle-là, papa. c'est une quatre portes normale et nous, il nous faut une version familiale. Ah bon, ça passe un peu. Mais malheureusement, elle n'a pas. Il n'y est pas. Bon, tant pis. On On verra n'a ça. pas? Ben, il n'est pas là, il n'y en a pas pour l'instant. C'est grave ça. On va encore piquer la clé à molette, mais c'est pas vrai. Mmh. Oh! Y a pas un modeur qui sert à la vidéo qui peut faire un gyrophare sur la clé à molette par hasard, non? Il marche après de la chercher pendant des heures sans la trouver. On va monter trois quarts du moteur pour aller voir à la casse, voir s'il n'y a pas une Mercedes que je pense. Que je veux. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, ça va aller là. On sert les bidons. Donc, et ici. Donc, voilà. On sert les petits boulons aussi là. Là. Et là. Là. Ensuite, la coucou, la roi-roi, pas la courroie, le ventilateur. Oui, en fait, il manque la courroie là-dedans. L'alternateur. Bon, ça, tant pis. On va ça plus tard. On va mettre le volant moteur. Il va passer entre les deux. Et bon. Nickel. Le disque en embrayage. Tout beau, tout neuf, tout chromé. Tout bourré, tout bronzé. Non. Ah ouais, il est beau. Ouais. Merci, merci. Non. Savez pas les gars, mais c'est pour moi qui a dit ça. Aussi, ouais. Voilà. Vous savez pas jaloux. C'est étonnant que moi, une fois qu'elle dit pas, hein, je plaisante, hein. Brrr. Oui. Eh oh! Je n'ai pas des noix, la vieille. Simon. Normand. Non, dis pas ça, il y a peut-être des enfants qui regardent. Voilà, alors, hein? C'est pas tant la perche. Ah, donc, on va aller passer un petit coup d'anti-rouille sur l'alternateur V8. Bien évidemment. Autant faire un bon moteur. Ah oui, petit bon moteur. Autant moteur. Voilà. Et voilà l'alternateur. Plus beau. Bien chromé. Nickel. On va dire. Au poil. Ouais, donc ce bahut-là, je vais essayer d'en faire un atelier mobile avec, pour mettre la sableuse. Et là. Les outils, tout ça, pour mettre dedans. Au moins, sera tranquille pour aller à la casse. Voilà, la casse, comme ça, on pourra travailler sur de meilleures choses. Voilà. Et voilà, la courroie est mise, tout est mis. Ça, à l'arrière, c'est bon. Il manque plus que les bougies, mais les bougies, on va aller chercher dans le magasin encore. Et toujours, j'en ai marre. Bouger, il est où il est? Là, tu vas venir là. Par là. On va aller foutre des bougies haute performance. Évidemment, HP. Hein. Et à part confondre avec HP Packard Bell. Hein. Enfin, c'est pas la même chose. HP, il y a le HP ordinateur et HP ça. Haute performance. Là, tu veux encore parler? Non. Non, non, non. Et bon. Il en faut 8. 1, 2, 3, 4, 10, 7 et 8. Lui, il en ira chercher au magasin. Bon, ben, il va parler. I heard your garage thing is going well. Hein? I'm gonna bring my own vehicle in for repairs, if you allow me, of course. Oui, monsieur. Qu'est-ce là? Il parle plus.
T'as la chance, je peux pas faire à la porte. Ah non, pas à mon la parole. Là, c'est ma femme. Ouais. Elle parle du matin jusqu'au soir. Elle arrête pas. Après, elle se dit, ah oui, mais toi, mais moi, je suis obligé. Quand je lui dis, je suis en vidéo, alors c'est normal que tu. Même hors vidéo. Bo Piu-piu. bo bo Je vous ai dit que ma femme était dentiste. Je crois que tu l'as déjà dit. T'es un menteuse comme une arachide dedans. Ça, c'est clair. C'est un petit peu chiant par contre avec les bougies en place, hein? Allez. Oui. C'est petit. Bon, ça. Allez, t'inquiète pas. Non, ça rentre tout le temps. Bye. Bon, la clé, elle est où là? Elle est là. On finit ça ensemble. On va sur F pour serrer, bien évidemment. On serre, on desserre, on serre, on desserre. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Voilà. La bestiole. Là-dedans. 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 Ça va y arriver, oui. Et ça, encore plus bas, encore la prochaine fois. Hein? Voilà. Ça, on resserre les giboux. Et voilà. Les bougies sont faites. Il vient de se bordel là-dedans. Ça va là. Normalement, il est... dans le temps, il y a un petit boulon pour bloquer ce truc-là. Maintenant, il y a le Il y a qu'un seul, c'est dans la tête en femme. Oh, ben oui. Ça, s'y attendait pas seul. Non, j'ai rien vu pourtant. C'est intéressant. Eh ouais, faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Ça. Je suis gentil, mais je peux être une vraie peau de vache. Oh oui, c'est vrai. Ah, voilà. Voilà. Regardez ça. Beau moteur V8, bien chromé, bien chien. Avec ça, vous allez pouvoir déposer sur les routes. Et ça va barder. Enfin, on pourra pas aller bien loin pour l'instant, il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de colonne de direction. Il n'y a rien. Ah oui. Vous pouvez toujours essayer de rouler, les gars. Vous ne pas quand les pierres à feu. Yabadou! Vous courez avec les papates à l'extérieur. Hein. Vous direz à vos enfants de faire le bruit. Voilà! Le moteur, il est beau, il est tout neuf, il est nickel. Bon, ça, c'est avec la boîte de vitesse. Ça va aller là. Voilà. Sans, elle aura une autre peinture aussi. Bon, ça, par contre, pourquoi tu restes verte? Elle est magnifique, comme voiture. Ça, là-dedans. Voilà. Ah, si on bouffe tous. Parle pas de ma femme. Ouais, ma femme. Allez, oh, tout de suite. Ma femme aussi, c'est une bouffe tout. Oh, Bon, je vais vous prendre des trucs pour moi et rien à faire. alors, on aime la même chose. Je peux pas garder les trucs plus une journée à chaque fois, il n'y a rien à finir. Acheter un petit chocolat, tout comme ça pour moi, tout ce que j'aime bien, les pâtes de fruits, ben non, c'est pas là, faut qu'elle est beau aussi. Ouais, mais il en reste encore, je sais. C'était étonnant ça, surtout venant de ta part. On se bouffe. Non. Je dis ça, mais bon. Je me sacrifierais s'il le faut pour nourrir ma femme s'il le faut. Non. Je sais, mon cœur. Moi, je suis naturellement, j'ai été élevé comme ça, à l'ancienne. Et puis voilà. Si c'est pas content, ben c'est pareil. Et puis c'est tout. Et sa galanterie, il y en a plus beaucoup. Non,
Murat. Albert. Et voilà. Ah, c'est fait. Bon. Ah ouais, ça c'est l'air de frein à main, quoi. Changer. Bon, aujourd'hui, c'était vraiment le moteur qu'on devait faire. Là, moi, on a fait le moteur. On est tranquille. Il faudra la relever encore une fois pour mettre la ligne d'échappement, les câbles, tout ça. On verra bien si la vidéo plaît toujours ou pas. Si elle plaît pas, ben, je passerai de mon côté en off. Et puis, pas là. Bon, on va aller faire un petit tour à la ferraille, à la casse. On va voir s'il y a la voiture que je veux. Pour faire un off, mais évidemment. Bon, on va attendre le petit chargement qui va bien. Une fois que le chargement il est fait, il va falloir attendre encore que la voiture se replace toute seule en forme de fantôme. Ouah! Les voitures, elles apparaissent, elles sont en vrac. Elles se remettent en place toute seule, comme à l'école, en ligne. Tout, 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 tout. Sauf que là, ça devient un petit peu long, là, la force, hein. Peut-être mieux de refaire un petit peu ça, le chargement, un petit peu long, la vidéo va être trop longue. J'espère que le truc s'est pas bloqué. Y a des fortes chances. Vous voyez, les voitures sont mises en version bordel. Voilà, là, là, je peux pas bouger. Là, oui, et vous allez voir. Tadam! Comme à l'école, en file indienne. Plein de pièces, plein de bazar. Dans, on recherche une Mercedes. La voiture américaine, hier. Mercedes version normale. Hop. Nouveau style d'antenne. Des pick-up, voiture américaine. Non, non. Cage pour la BM. Mais le problème, une fois que vous mettez ça dans la voiture, vous pouvez plus monter dedans. Oh là là, on va pas. Oh, t'es bien attristé, toi. Aïe aïe aïe. Mais ben, le plancher, la version pierre à feu. Le moteur, oh là là. C'est un petit challenge, bien sûr. Ah oh ben d'accord. Ça alors. Il y a encore une autre cage encore. Il y a une autre cage. Mais bon, le problème, c'est qu'on se dit, si on met ça, on ne pourra plus monter dans la voiture. Les personnes qui ont fait ça, elles vont très mal. On va la prendre quand même. On va voir si on peut la téléporter. Alors, clic droit pour acheter. On va voir si on peut faire on peut la faire téléporter jusqu'à la maison. Ah non. Ah, celle-là. Tant pis. Lui, il va venir avec moi. Bon, on va voir qu'est-ce qu'au garage. Coussin de là. Allez, bim. Grosse période. C'est vrai, pas du piste. Et retour to custom. Taxi to custom. Scène. Retour au garage. Dégage la console. Voilà. Voilà. Moi j'ai aussi un pick-up version familiale. J'ai un peu la tronche écrasée. On dirait la tronche à ma femme. Et pas là. Et voilà. Partie de la cuisine, on est encore en train de faire le café. Faire la C'est tout. cafetière. Oh, je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Je sais, je suis vache. Mais non. J'adore emmerder ma femme. Enfin, ça, plus fort que moi, j'adore la faire. Ça, je voulais dire. J'adore ma petite femme d'amour. Tant que je peux l'emmerder, tant que je peux l'emmerder, je continue à l'emmerder. Et tu vois, mais pas, 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 pas. Peux-tu? Ah bon? Ah bon. Hop, attends, attends, attends. Ah. Que dalle. Voilà, aujourd'hui. On va mettre ça et on va s'arrêter là aujourd'hui. Ça dure pas mal. Je vais avancer un petit peu de mon côté, moi.
Voilà. Et voilà. Il ne manquera plus que la durée de le frein qui est déjà, je crois. Ouais, elle est déjà dessus. On serre. Et voilà. La voiture a déjà ses freins. Et carrément. Bon, voilà, les amis. Donc, on va s'arrêter là. Hein. J'espère en tout cas que la vidéo va plaire. Pas comme la dernière. Ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un max pouce bleu, de vous abonner, d'activer la petite cloche et de dire ce que vous en pensez. En attendant, moi je reste là, voilà, votre écoute pour savoir ce que vous en pensez. Vous me dites ce que vous pensez, tout ça. Puis voilà, hein. Moi je répondrai à vos commentaires. Ce n'est pas les commentaires débiles, bien évidemment. Voilà. Donc sur ce, je vais laisser les derniers mots pour ma femme. Oui, comme d'habitude. Malheureusement. Allez, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, bye bye.